le son. Son. Soft boy. M'vin van. Soft. Kokiol. Kokiol. Kokiol? Oui. Combien kokiol? 10 good. 10 good? Oui. Combien kokiol vous avez? M'vin 100. 100? Oui. Combien kokiol vous avez? Moi, je l'ai regardé, moi. Latine? Est-ce que tu fais un copier? Oui, je fais un copier. Je m'achète. Dans le magasin. Dans le magasin? Latine? Dans le magasin? Oui. Pour combien de copier? Et pour combien de copier? Je m'achète pour 100. Je vais vendre pour 200. Ça vous fait l'argent? Pour me payer l'école. Je vais faire 3e. Est-ce l'école? Ma relation avec BDA. Côté maman, papa. M'bagi papa, maman, maman, de yo. Ok, à quel soir vous? Avec un ami. M'bagi neva. M'bagi? Oui. Qu'est-ce que tu as à mon monde fait pour? D'un monde, mon encourage. Encourage pour tout ça? Dans l'école, l'école là. Si on a besoin, qui côté a besoin de ça? Il y a besoin de moi, Kafoua au port. Qui va? Kafoua au port. Et l'orban? Oui. Pour qui ça est l'orban comme je dis là? Là parce que moi j'ai un peu de monde, j'ai un peu de portée. Vous êtes obligé de venir là? Oui. Qui est-ce que vous sortez pour venir ici là? Je sortis. Mais. Combien de courses machines pour venir ici? Je prends 3 courses. 3 courses? Oui. Combien de courses ça vous faites? 50 gouttes. Chaque jour vous faites ça? Oui. Là vous êtes obligé d'arriver à l'école? Je suis obligé d'apprendre la police IDMO. Hein? IDMO. IDMO d'arriver? Oui. Je suis venu pour les vacances à boire faire des autres dans le pays pour m'arrêter. Donc, vous ne pas faire les salons pour la machine? Non, pas faire, mais avec Jésus. Avec Jésus? Oui. Moi, c'est Marin Filmé, présidente MPHC, Mouvement Patriotique des Haïtiens Conscients. Et moi, c'est présidente URH Ministries, qui est à New York. Je dis, c'est un plaisir pour me venir faire mieux, faire mieux, pour me venir supporter. Je dis. Donc, ma vie, mais jusqu'à présent, on a parlé, on connaît qui gens ou apprend une nouvelle ça et qui gens ça a affecté nous-mêmes dans la communauté. Bon, là, nous avons regardé dans New York. Et puis, tout d'un coup, nous sommes entrés dans une réunion avec Grotetio. Et là, nous avons fini, nous-mêmes, organisation, nous avons chit ensemble. Ça a vraiment attristé nous. Parce que les premières fois, nous sommes dans une réunion, c'est là, ça a commencé à mettre les gens dans la rue. Ok, c'est quand 11h minuit, à mettre les tigres, on s'est de côté. Et là, ça nous oblige à dire que ça, bon, faut nous faire un bagage. Quand nous avons monté dans YouTube, nous avons tombé parler, nous dit pour toute cette tête ouvrir, pour que nous soyons capables de prendre les gens, quel que soit les gens qui ont besoin d'aide, pour que nous soyons capables d'aider. C'est depuis là, non, mardi, nous commençons à faire des marches. Et puis, nous relais l'autre ami, relais l'autre leader. Et puis, depuis le samedi, mercredi, nous rentrons pas bon ici. Nous travaillons. Marvin, mais facilement, qui sont que communauté, les gens qui sont dans la zone Akounia, au Mexique, qui sont capables d'attendre de l'organisation? Ça que nous capable d'attendre que nous avons bataille ensemble, ok, moi j'ai l'autre organisation étrangère que nous travaillons en collaboration. Et ça que nous voulons, c'est premièrement pour que nous légaliser haïtiens, nous pour capable de marcher libre, libre pour capable de travailler. Parce que nous sentons bien dans le fil ça. Et nous avons lutté tout pour nous. Dans quelle mesure que nous avons une vie meilleure? Est-ce que c'est pas qui possible quand même, étant donné que nous au Mexique ou même aux États-Unis, qui est capable de concilier deux juridictions? Bon, premièrement, pas oublier, nous avons une organisation ça lui-même, qui est militaire, ils ont un large network, ok? Nous capables de dire que nous avons travaillé ensemble. Ils ont même tout le temps que au Mexique, parce que nous avons des Mexicains tout, dans l'organisation. Ce n'est pas un problème pour que nous travaillions en collaboration. Et nous-mêmes, nous prêts pour nous entrer, pour que nous venions camper ensemble avec eux pour nous aider la population. Le parti, qui prochaine étape, mon ça qui là, qui peut le passer pour eux? Parce que yo là, yo, en plus, on a posé les mêmes questions, on a demandé qui ça va passer, est-ce qu'il va déporter, qui ça va faire. Donc, sauf à tant que j'aimerais dire, nous sommes à bataille. Nous sommes chita avec un tête. Très bientôt, nous avons, si on m'a dit pour nous prendre un avocat pour eux, nous là, nous parler pour nous prendre un avocat. Tant que j'aimerais dire, nous avons des organisations, nous travaillons ensemble en collaboration et nous avons gardé dans quelle mesure que nous sommes capables d'aider la population.
Sauf so c'est ça que nous fait pour être capable d'arriver à légaliser. Donc au moins, vous êtes capable de compter sur nous en termes d'assistance légale. Yes, yes, parce que nous là, matin, midi et soir, nous faisons quoi? Matin, midi et soir, nous chita, matin, midi et soir, nous prions pour bien sûr. Parce que agir sans la prière, nous ne devons pas arriver. Mais nous sommes capables de dire que la communauté nous a campé, a aidé à prier et a fait tout ça qui est possible. Non nous-mêmes, après, bon Dieu, pour que nous campions avec eux pour arriver à légaliser. Mara la voix de l'Amérique, monsieur, est-ce que vous voulez rappeler les téléspectateurs de nos organisations que vous présentez là, ici, là, dans Akounia là? Non, pas moi, c'est Mara, moi, c'est président MPHC, Mouvement Patriotique des Haïtiens, et aussi moi, c'est présidente URH Ministries à New York. Et qui sont portés pour nous là, je dis là? Oh, nous portons un pile bagage, nous portons manger, nous portons rad, nous portons de l'eau, nous portons tout bagage, nous même portons diaper pour Timounio, nous portons féminine pâte pour mesdames, tout ça que nous connaissons, que nous avons besoin, nous portons. Et très bientôt, nous retournons back encore. Voilà. Moi, je vais la voix de la main, je vous remercie pour ce moment ça et pour l'assistance qu'on peut faire. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe. Moi, le son. Son. Une ville vanne. Coquillol. Oui. Combien de 10 gouttes. 10 gouttes. Oui. Combien de coquillol vous avez parlé? Une bonne 100. 100? Oui. Combien de coquillol vous avez acheté? Et son seul, moi, je l'ai gardé, moi. Latine? Est-ce que c'est un peu coquillol? Oui, je fais un peu. M'acheter. Qu'est-ce que vous avez acheté? Dans le magasin. Là-dessus? Le magasin entier? Oui. Pour combien de temps et pour combien de temps vous faites? Je m'achète pour 100, je vais vendre pour 200. Ça vous fait l'argent ça? Pour me payer l'école. Après, qu'est-ce que vous faites? Je vais faire 3e. Est-ce l'école? Ma relation avec BDA. Quand est-ce que vous faites? Je vais faire papa, maman, maman dehors. Ok, à quel soir vous? Avec un ami. Je vais faire 9 ans. Vous vous faites? Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour vous? J'ai encouragé. Encouragé pour vous? Dans l'école, l'école là. Si vous avez besoin, qui est-ce que vous avez besoin? J'ai besoin de 4 fois au port. Qui va? 4 fois au port. Et l'homme? Oui. Pourquoi ça est l'homme comme je dis? Là, parce que moi, j'ai un peu de monde. J'ai un peu de déporté. Vous avez besoin de là? Oui. Qui est-ce que vous avez besoin de venir ici? Je suis sorti. Mais. Combien de courses machines vous avez? On prend 3 courses. 3 courses? Oui. Combien de courses ça vous coûte? 50 gouttes. Chaque jour, vous faites comme ça? Oui. L'homme, vous êtes arrivé à faire? Je suis arrivé à prendre la police IDMO. Hein? IDMO. IDMO d'armée? Oui. Pour qui vous êtes arrivé? Je suis arrivé pour les vacabois faire des autres dans le pays. Pour m'arrêter. Donc, vous ne pouvez pas faire les courses à l'homme de machine? Non, pas faire, mais avec Jésus. Avec Jésus. Oui. Non, pas moi, c'est Marin Vilmé, présidente MPHC, Mouvement Patriotique des Haïtiens Conscients. Et moi, c'est présidente URH Ministries, qui est à New York. Jeudi, c'est un plaisir pour me venir voir frère mieux, soeur mieux pour me venir supporter jeudi. Donc ma vie, mais jusqu'à présent on parlé ou connaît qui gens ou apprendre nouvelle ça et qui gens ba ça dit affecter nous même dans la communauté. Bon, là nous t'a regardé aller dans New York et puis tout d'un coup nous t'est entré dans réunion avec gros tête yo et là nous t'est fini nous même organisation yo nous t'est chit ensemble. Ça t'est vraiment attristé nous parce que les premières fois nous t'est dans réunion c'est là ça t'est commencé à mettre moun yo dans la rue. OK, t'est comme 11h minuit à mettre tigre moun on se de côté et là ça nous obligé dit comme ça bon, faut nous faire un bagage qu'on a nous t'est monté dans YouTube, nous t'es tombé parler, nous dit pour toute cette yo ouvrir, pour que yo capable prendre moun yo, quel que soit moun qui besoin aide, pour que nous capable aider yo. C'est depuis là, dans mardi, nous commençons à faire des marches. Et puis, nous relè l'autre ami, relè l'autre leader yo. Et puis, depuis là, ça, mercredi, nous rentrons pas bon ici, dans le travail. Marvin, mais facilement, qui sa que communauté a, moun qui dans zone Akounia, au Mexique là, qui sa capable attendre de l'organisation là?
Ça que nous capable battre que nous avons une bataille ensemble, OK, moi gon l'autre organisation étrangère que nous travaillons en collaboration et ça que nous voulons c'est premièrement pour que yo légaliser haïtienne nous pour capable marcher libre libre pour capable travailler parce que yo senti yo bien dans ville ça et nous a lutter tout pour nous dans qui mesure que yo ka gon meilleur en vie meilleure. Est-ce que c'est pas qui possible quand même étant donné que yo au Mexique ou même aux États-Unis qui est capable de concilier de juridictions ça. Bon, premièrement, pas oublier nous gagne organisation ça lui-même qui gagne militaire, yo son yo gon large network, OK? Nous capable dire que nous avons travaillé ensemble. Yo même tout temps que yo au Mexique parce que yo gagne mexicain tout dans organisation yo. Il pas un problème pour que nous travaillons en collaboration et nous même nous prêt tout pour nous entrer pour que nous vienne camper ensemble avec yo pour nous aider population nous. Le parti on ma qui prochaine étape mon ça qui là qui ça qui va passer pour yo parce que yo là yo en plein on a posé les mêmes questions a demandé qui ça va passer est-ce que a déporté qui ça que cap jeune donc sauf tant que j'aimerais dire nous style à bataille nous style chita avec en tête yo très bientôt nous gagne si on m'a dit pour nous prendre avocat pour yo nous là nous parer pour nous prendre avocat tant que j'aime dire nous gagne des organisations n'a travail ensemble en collaboration et n'a regardé dans qui mesure que nous capable aider population nous. Sauf so c'est ça que nous avons fait pour être capable d'arriver à légaliser. Donc au moins, vous êtes capable de compter sur nous en termes d'assistance légale. Yes, yes, parce que nous là, matin, midi et soir, nous avons fait quoi? Matin, midi et soir, nous chita, matin, midi et soir, nous avons prié tout pour bien sûr. Parce que agir sans la prière, nous ne devons pas arriver. Mais nous sommes capables de dire que la communauté nous a campé, a aidé à prier et nous avons fait tout ça qui est possible dans nous-mêmes. Après, bon Dieu, pour que nous campions avec eux pour arriver à légaliser. Mara, la voix de l'Amérique, monsieur, est-ce que vous voulez rappeler, téléspectateurs, nos organisations que vous présentez là, ici, là, dans Akounia, là? Non, pas moi, c'est...